Et a fondé le petit village de Notre-Dame-de-Pontmain. C'est un petit village à 35 000 de Mont-Laurier. Je suis née d'une famille nombreuse, 13 enfants. Et ma mère était sage-femme. Mon père était fromager à Buckingham. La crise est arrivée, donc autour des années 30. Il a fermé son commerce. Il s'est ramassé à Notre-Dame-de-Pontmain. Chez son beau-frère la première année pour aller couper les arbres puis ramasser de quoi faire son petit chalet pour héberger sa famille qui était déjà rendue à 5 enfants. Alors, ils sont installés là, puis les enfants, il y avait une petite école durant là, où je suis allée, première, deuxième, troisième, quatrième année là, dans la même classe. Et puis, j'étais passionnée par l'histoire. Moi, ça me fascinait l'histoire et la géographie. L'histoire. Et là, l'histoire, quand on arrivait, que les premiers missionnaires qui étaient venus ici pour convertir les on les appelait les sauvages, les Indiens, les Autochtones. Et c'était l'évangélisation. Bon, puis là, évidemment, c'était les valeurs chrétiennes là, poussées au bout. Ma mère était une fervente pratiquante religieuse. Et de là, très, très, très jeune, à 8, 10 ans à peu près, je me disais, moi, je vais un jour aller dans d'autres pays, faire comme les missionnaires qui sont venus ici. Je vais aller en Afrique. Alors, à 19 ans, je décide d'aller là. J'ai commencé à visiter, prendre des informations, les communautés qui allaient là. J'avais appliqué chez les Sœurs de l'Immaculée Conception. À la retraite, le père de la retraite me dit, en Afrique, peut-être vous irez jamais. Hein? Je lui dis, comment ça, j'irai jamais, je rentre pour aller là. Fait qu'il dit, c'est pas ça. Il dit, pourquoi vous n'allez pas chez ça du Bon Conseil? Il dit, eux autres, ils ont une mission, c'est à Cuba, seulement celle qui le demande qu'ils y vont. OK. Bien, il dit, allez voir Marie-Gérin Lajoie. Il dit, la fondatrice, elle vit encore, puis tout ça. Puis là, il me parle le service social, puis bon. Alors, je vais voir Marie-Gérin Lajoie, je lui explique. J'avais fait mon entrée chez ça de Maculée. Il dit, ça, c'est pas un problème, j'ai 6 cousines qui sont là. Fait qu'elle dit, puis il n'y en a pas une qui est allée. Fait qu'elle dit, il a raison, le père, de dire ça. Fait qu'elle dit, bien, si vous n'avez pas de contre-indication au niveau de la santé, l'adaptation, la langue, en tout cas, elle m'avait mis un certain nombre de critères, il n'y a pas de problème, vous irez. Là, je suis rentrée chez ça du Bon Conseil. Le postulat, là, c'est 6 mois vraiment là, qui regarde si tu as vraiment la vocation. Tu sais pas, tu sors.
Après ça, c'est un an de formation intensive, là, qui appelle l'année canonique. Il y a un certain nombre de pratiques là, pour, à tout point de vue. Là. Tu passes à toutes les tâches, celle que tu haïs le plus, là, c'est celle-là qui te met là, pour commencer. Moi, j'haïssais la cuisine à mort. Fait qu'ils m'ont mis à la cuisine au lieu de 3 mois, ils m'ont mis 6 mois. Et puis, bon, ça sert toujours faire la cuisine. Là, bon. Et après ça, l'autre année, là, ils appellent l'année d'œuvre. Là, tu vas dans les... ils t'en vont en mission, mais ici au Québec. Bon, la première année, c'était l'espagnol. J'apprenais l'espagnol à temps plein. J'avais un professeur qui venait, une avocate qui était une amie des sœurs, qui venait. Puis là, là, j'étudiais à temps plein, là, 8 heures par jour. J'allais garder les récréations au collège pour parler avec les enfants. Je visitais les familles. Puis bon, après un an, je parlais très bien l'espagnol. Bien, j'avais 23 ans, là, tu sais. Après ça, la Révolution nous a attrapés. Un bon matin, on se lève, puis il y avait un scellé sur les portes du collège. À Santa Cruz, c'est un petit village, nous autres, où est-ce qu'on était, à Santa Cruz del Norte. Donc, on était très amis avec tout le monde. Et les gens du parti, là, c'était nos amis, comme les autres. Donc, eux autres, il n'y a pas personne du village qui voulait mettre la main à ses sœurs, là. Les sœurs, non, on touche pas à ça. Les frères, on touche pas à ça. Puis c'est nos amis. Puis eux autres, c'est des Canadiens, c'est, puis ils ont rien fait là, contre le peuple. Puis bon. Fait que là, ils faisaient venir des gens d'autres places qui ne connaissaient pas de loin, n'importe où. Là. Puis là, ils faisaient le job qu'ils avaient à faire, tu sais, comme par exemple quand ils sont venus fouiller le collège, ils sont venus fouiller le couvent, puis tout ça. Tu sais, mais avec beaucoup de respect, là, tu sais. Le collège, qui avait 100 d'étudiants, là, ça passe au gouvernement. Tous ces jeunes-là, ça s'en va à l'école publique, là. Alors, on organise la catéchèse après l'école, de 5h à 6h, 7h. On sonne la cloche, puis là, ils viennent. Puis là, on continue à faire la catéchèse. Les familles du village qui avaient leurs enfants, ces enfants-là qui vont à l'école publique, bon, ben là, ils sont dans les écoles marxistes, évidemment. Mais les parents... Eux autres, ils veulent que leurs enfants aient une formation chrétienne. Donc, ils envoient. Mais là, un bonjour, on reçoit la visite d'un militaire qui nous dit, « Bon, vous êtes 12 sœurs, il en reste 4, les autres, vous les envoyez au Canada. » Bon, comme ça. Alors, ils ont épuré toutes les communautés, là, comme ça, là, ils en laissaient très peu. Moi, j'étais sur le bateau pour revenir. Fait que là, j'étais tout en panique, parce que là, je te rendrai à Cuba, je reviens au Canada. Qu'est-ce que je fais, là, tu sais? J'avais fait mes vœux perpétuels là-bas, là. 5 ans, après 5 ans, là. Tu restes, là, c'est vœu perpétuel, t'es là à vie. Fait que, à moins de demander l'indulte de sécularisation, comme j'ai demandé plus tard, mais là, je voulais pas sortir, moi, là. Fait que là, je reçois une nouvelle qu'il y a une sœur qui est malade à Cuba, des 4 qui sont restées, une qui tombe malade. Je suis sur la liste, je retourne. Bon, je retourne. Moi, je suis toute contente, là, je repars, puis là. Je travaillais dans 10-12 villages, que je prenais l'autobus, là, j'attendais au soleil, c'est vrai que c'était dur, parce que j'attendais des fois 2 heures l'autobus planté au coin, là. Puis là, j'allais dans un village, je revenais à minuit, 1 heure le matin, puis je me faisais accompagner d'une catéchette, là, je voyageais pas tout seul. Et pour aller dans les petits villages, où est-ce que c'est que les curés n'y allaient plus, puis tout ça, il y allait une fois par mois, bien nous autres, on allait pour faire la catéchèse, puis tout ça. Ma santé n'était pas très, très, très bonne. Parce que là, ça a été la ration dans les premiers temps, puis du poisson, puis tout ça, la même chose. Je mangeais pas beaucoup. Fait que là, j'étais malade, et puis là, bien, je reviens. Anémie. Après 2 voyages, là, il y avait tellement d'anémie qu'ils ont dit, bon, là, ça va, c'est une anémie qui va s'installer, c'est grave. Il faut pas qu'elle retourne. Le médecin dit ça à la supérieure. Finalement, là, on décide que je ne retournais plus. Il y a eu un an pour refaire la santé, puis tout, là. Puis choisir un pays où je souhaiterais aller, avec une autre communauté, mais il n'y en avait pas ailleurs, les sœurs du Bon Conseil, avec que Cuba. Donc, il fallait que je prévoie que j'aille avec une autre communauté. Je suis allée avec les sœurs de la congrégation Notre-Dame, et je me ramasse au Chili. Quand je suis arrivée au Chili, la salle de la congrégation de Notre-Dame vivait dans une petite maison très pauvre, dans un quartier populaire, tout ça, c'était parfait, j'adorais ça. Ça a été ma période de politisation. Là, ça a été vraiment, là, je suis rentrée à l'université, puis là, me suis inscrite en Sciences Po, puis en Sciences Sociales, travailleuse sociale, mais c'était le travail social de groupe. Mais la salle de la congrégation de Notre-Dame ont décidé qu'ils rapatriaient.
parce qu'il avait peur du communisme. Alors, moi, j'ai dit, m'en va pas. Hein. J'étais intégrée dans les communautés de base de théologie de la libération. Et là, j'avais fait tout un cheminement spirituel, si on peut dire, puis théologique, qui faisait que j'avais fait des options bien claires. J'étais engagée politiquement dans les quartiers populaires, puis tout ça. Et là, ça, c'était le programme qui nous était assigné pour faire notre pratique terrain. 24 heures semaine. 24 heures semaine, notre pratique terrain, c'est les plus grosses quantités de crédits étaient alloués à la pratique. Et nos cours théoriques venaient appuyer ce qu'on a. Moi, j'ai adoré ce genre de cours-là. Là, j'ai adoré ça. L'investigation, faire d'abord une analyse de ton secteur, et puis nous accompagner dans notre terrain pratique. Là. On était des équipes de 5-6, puis les cours d'alphabétisation, mettre sur pied une garderie, la clinique populaire, faire en sorte que la table de concertation, ça fonctionne. Alors, mais avant, la première année, fait que j'ai mis sur pied un centre juvénile, un centre de jeunes, les 12, 13 ans à 16 ans. Parce qu'il y avait 40 000 personnes dans le quartier où est-ce qu'on restait. Ça, c'était des prises de terrain, c'était des gens qui étaient, ça s'appelle San Rafael. Ça, là, c'était du monde adorable. Ces jeunes-là, là, puis les familles, là, prolétaires, là, dans tout le sens du mot, des gens qui avaient vécu de manière des grosses familles, 5, 6, 8 enfants, souvent le mari chômeur 4-5 mois par année, puis ça trime dur, mais tu sais, des bonnes familles, du bon monde. Alors, le centre juvénile, là, ça s'est rempli de 50, 75, 80 jeunes. Tous les samedis, c'était plein, le local communautaire de la paroisse que j'utilisais. Puis là, on faisait des camps de formation les fins de semaine avec le programme de l'unité populaire de l'université, s'il vous plaît. Je dis que c'était... Et ça, moi, quand je suis rentrée à l'université, ils m'ont passé le test, ils m'ont mis en deuxième année parce qu'ils ont reconnu le centre juvénile que j'ai mis sur pied, ils me l'ont reconnu comme un programme de deuxième année. Donc, je passais très bien la première année. Et là, j'ai dû travailler très fort pour prendre les cours théoriques de la première année, mais j'ai continué en deuxième année à ce moment-là. Fait que là, on passait, voyez-vous, du centre juvénile, la deuxième année de l'université, ils m'ont dit là, non, là, vous avez fait, il faut vous fassiez d'autres choses. Et là, je suis allée à la Bandera, des grands terrains dont les propriétaires, peut-être qu'ils vivent à Miami ou en Europe. Veille à savoir, là. Les gens arrivent là, puis ils sont tous préparés. C'est tous des gens qui viennent de la campagne, tout ça, là, qui se sont préparés, puis à telle date, là, pouf, ils prennent le terrain, ils mettent le drapeau. C'était absolument fascinant, ce travail-là. Alors, on commençait des cours d'alphabétisation, la méthode Pablo Freire. Après ça, la mise sur pied de la garderie. Il y avait une cinquantaine. Puis là, c'était super parce qu'on faisait la réunion. Bon, la garderie, à quelle date on l'ouvre? Bon, ça, il faut des chaises. Combien d'enfants? Qui fait les tables? Qui fait les chaises? Tel groupe. Là, on se divisait les tâches. Nous, on coordonnait les énergies et les ressources de cette population-là. C'était à peu près une centaine de familles, peut-être, mais des grosses familles, 7, 8, 10 enfants. Puis, mais du monde, des militants, là, à bout, là, ça, c'était prêt à prendre le fusil quasiment là, pour défendre la révolution. Allende, au bout, Allende, c'était là, qu'on les appelait. La troisième année, ou les dernières années, là, je faisais un stage dans une usine de conserve, 150 à 200 travailleurs. Et là, première des choses, cours d'alphabétisation. Imaginez, c'était pas rien. Les cours d'alphabétisation, premièrement, on fait le sondage. Quels sont ceux qui ont besoin des cours d'alphabétisation? Il y en avait beaucoup qui ne savaient pas ni lire ni écrire. Mais c'était des militants au bout. Puis capables de te faire une analyse là, de la situation du pays là, comme pas un. C'était vraiment intéressant. Mais eux autres, ils voulaient apprendre. Fait que là, on organisait des cours d'alphabétisation. Après ça, on a organisé la mise sur pied d'une garderie à l'usine pour que les enfants partent avec leurs parents. Les autobus ramassaient les travailleurs. Alors, ils venaient avec les enfants, puis il y avait une garderie, ils laissaient leurs enfants, ils partaient avec leurs enfants. Ça, c'était un programme extraordinaire. C'était fait avec le gouvernement et avec... Mais là, ça n'a pas été long que le boss, là, il a commencé à faire du boycottage, lui aussi, avec les autres grosses usines, parce que là, il avait peur de se faire nationaliser. Donc, là, ça commençait. Fait qu'il y a eu une prise d'usine. Ça, moi, j'étais là à ce moment-là. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Là, le jour, là, qu'ils sont tous les travailleurs, ils ont tout arrêté, là, puis ils sont sortis dans le cours, puis ils ont lu la prise de l'usine au boss, puis là, le boss, il partait. Ou bien on te fait arrêter.
le carnet de santé. Il fallait que chaque travailleur ait son carnet de santé. Ceux qui avaient besoin du dentiste, on a organisé les dentistes mobiles parce qu'on travaillait le cordon de Serrio, là, ce qu'on appelle le cordon, c'était tout un secteur où est-ce qu'il y avait beaucoup d'usines. Là, il y avait des équipes de dentistes qui passaient d'usine en usine puis qui venaient gratuitement sur l'heure du travail, on avait la liste, puis là, ils s'installaient, puis là, chaque travailleur posait pour se faire réparer les dents. Là, on se divisait les tâches. Toi, tu fais l'alphabétisation, toi, tu t'occupes de la garderie, toi, tu t'occupes de ci. Mais ça, là, c'est absolument phénoménal. C'est de toute beauté, ce travail-là. Ça, là, pendant trois ans avec IND, là, parce qu'ils faisaient du sabotage la nuit dans les usines. Fait que là, on a organisé dans l'usine la garde. Et moi, imaginez-vous, je suis donné mon nom pour aller faire la garde comme les autres, à mon tour, malgré que je n'étais pas un travailleur, mais on y allait, on s'intégrait à l'usine. Une nuit, c'était mon tour. Là, il m'arrive avec un fusil. Bien là, je ne sais même pas tirer. Comment vous voulez que je prenne un fusil? Jamais tué une poule, j'ai jamais tué ça. Comment vous voulez que je... D'abord, premièrement, je ne vais pas tuer personne. Fait que là, donner le fusil à un autre, moi, je vais faire la tournée, là, à tous les heures, je vais passer la nuit, il n'y a pas de problème. Il fallait faire la surveillance pour pas qu'il y ait de sabotage. Mais on était une équipe. Donc, quand ils vont voir qu'on se promène, puis que les lumières sont allumées, puis qu'il y en a un qui a le fusil sur le dos, ils viendront pas t'attaquer comme ça. Mais il reste qu'en dernier, c'était très fort, la répression montait. On le voyait venir. Et là, le coup d'État, c'était grave. Là, les camions passaient plein de morts et tout ça. Là, c'était épouvantable. Ça, là, moi, j'ai vécu à Cuba. On a vu rentrer les Barbudos puis tout ça. Puis ça venait de l'Orienté, puis ça arrivait vers la Havane puis tout. On n'a jamais été en danger comme j'ai été en danger comme c'était à Cuba, au Chili. D'ailleurs, moi, quand j'ai été ramassé, là, en pleine nuit, qu'ils sont venus me kidnapper, ben là, je leur ai dit en pleine face, là, quand j'étais rendu au centre de torture, j'ai dit, vous profitez que je suis seul, là, je vis dans une famille, la communauté est loin pour m'arrêter, pour venir me zigonner, puis, tu sais, faire... Ben moi, c'était sûr, le Cerro Chena, où est-ce qu'il m'amenait, il y a à peu près personne qui sortait de là vivant. Fait que c'était sûr que là, j'étais... Moi, là, j'étais une espionne de Cuba, imaginez-vous. J'étais une espionne de Cuba. Alors, il y avait d'ailleurs tapé le téléphone, que j'avais eu un téléphone de la supérieure générale, pour me dire, tu t'en viens? Ça, c'était au mois de... Le coup d'État, le 11 septembre. J'ai été ramassé le 11 octobre. Entre ça, j'ai eu le téléphone. Puis là, j'ai dit, bien, je finis mon cours. Je finis, c'est ma dernière année. Je finis au mois de décembre. Je pourrais finir, puis après ça, je ferai le voyage à Cuba, puis on en jase, puis est-ce que je reviens, comment je reviens, dans quelles conditions, puis tout ça. Ils avaient tout pris ça, ils avaient tout... puis quand ils m'ont annoncé, ils m'ont mis ça dans la face. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Bien, parce que j'étais à l'université, puis j'étais étudiante, je ne fais pas mal à personne, moi, là, ici, là. Oui, vous êtes une communiste, puis bon, ils t'inventent n'importe quoi, là, tu sais, d'ailleurs. Les tortures partaient sur ça, là, sur des niaiseries de même. Je suis ramassé à 2h de la nuit, puis à 4h, là, j'avais les yeux bandés, puis j'étais avec à la caserne militaire. Mais le matin, le Jeep est arrivé, là, ils font 3-4 tours avec le Jeep, puis là, ils t'amènent au centre de torture, qui était à peu près une demi-heure, là, de là, qui était une grange, là, dans un champ, où est-ce que c'est qu'ils torturaient tout le monde. Puis les Jeeps, là, ça rentrait, là, à plein, là, puis tout le monde était torturé, là. Moi, quand ils m'ont monté au deuxième étage, j'avais même pas tous les barreaux. Tu sais, là, ça fait partie de tout le scénario. Là. J'avais pas évacué ça. J'ai jamais voulu en parler. Même à ma famille, ils savent même pas en détail. Ils savent que j'étais pris, c'est tout. Mais c'est épouvantable. C'est l'enfer, là, il existe, il est sur la terre. Il est dans des endroits de même. La torture, là, moi, là, j'étais incapable de voir aucun film, rien, que ça crie, puis que ça, là. Incapable. Parce que le centre de torture, là, quand ils torturent en bas, là, avec l'électricité, puis tout ça, puis le fouet, puis tout, on est en haut, c'est comme si c'était à côté de nous autres, là.
Puis là, ça crie, ça vomit, ça fait tout étant. Puis là, il est sorti, puis il fusille. Puis là, j'avais enlevé mon bandeau pour regarder. J'ai dit, si je sors d'ici vivante, je vais au moins pouvoir parler ce que j'ai vu. Puis dans le Jeep aussi, bien évidemment, c'est sûr que là, ils te surveillent tellement, tu reçois des baffes, puis tu reçois des coups. Mais tu dis, bon, là, de toute façon, ils vont me tuer, là, tu sais. Là. Fait que là, je dis, oh, bon Dieu, là, si ma vie n'est pas finie, tu me donnes ce qu'il faut pour rester jusqu'au bout. Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable, épouvantable, épouvantable. Tu sais, là, j'étais 3 jours sans manger, à peu près, là, tu sais. Puis là, il faisait froid, là, tu sais. Puis on était dans les excréments. Puis, tu sais, quand t'es assis, là, t'es attaché les bras dans le dos, puis t'es attaché par les pieds, puis t'es sur un petit bernage de même, qui est haut comme ça. Puis là tu trembles comme une feuille. Puis là, l'interrogatoire commence, là. Puis là, les coups viennent avec, là, tu sais. Donnez-nous des noms. Ben là, donne des noms. Moi, j'ai donné les noms de l'évêque, de la supérieure, de tout le monde de l'Église qui n'allait pas être touché. Ah non, il ne faut pas d'autres noms. Quel autre nom? Ben, c'est les noms que je connais là, avec qui je travaille. Mais là, tu reçois des coups pour tout ce que tu dis. Là. De toute façon, ce que tu dis, là, ce que tu réponds, là. Eux autres, ils ont une idée en tête, sortir le plus possible, puis après, une balle. C'est tout. C'est tout. Parce que tous ceux que je voyais, là, qui avaient torturé, là, à mort, là, mais c'était l'enfer d'entendre ça. T'entendais pas tout de suite après, parce que, là, ils avaient sorti, puis ils avaient fait. Ils avaient sorti ce que les gens, ils parlaient à peu près pas, là. Moi, tous ceux qui ont été là, j'entendais pas de nom, là, tu sais. Les gens donnent leur vie plutôt qu'aller d'aller donner le nom, puis ils vont aller le chercher après, là. Fait que c'est ça, c'est épouvantable. C'est juste ça qu'ils veulent, c'était de ramasser du monde. Au début, j'étais avec les hommes. C'était tous les hommes. On était tous assis à terre, là, tu sais. Et ça sent tout ce que tu voudras, parce que les gens, ils laissent pas aller à la toilette comme ça, là. Fait que... Mais après ça, ils m'ont transféré avec les femmes. Là, les femmes broyaient beaucoup parce qu'il y en a plusieurs, la plupart avaient été violées. Puis il y en avait une surtout qu'elle broyait tellement. Son petit bébé, il était sur la table quand ils sont venus la prendre 6 mois, puis elle a laissé le petit bébé. Puis elle a torturé en faisant broyer un enfant, en disant que c'était son enfant. Puis qu'il allait torturer son enfant si elle ne la parlait pas. Moi, je dis aux militaires à un moment donné, « Veux-tu même dire comment tu fais pour embrasser tes enfants puis ta femme le soir? Veux-tu même dire avec ce que tu fais aujourd'hui? » Ah, c'est peut-être ça. Ben j'ai dit, bon, sinon, ils vont me tuer. Ben, tu serais mieux de te laisser tuer que de faire ce que tu fais. Puis là, je recevais des coups pour dire ça, mais là, tu dis n'importe quoi, là, tu sais. De toute façon, tu dis, vous mourrez, là, tu sais. Fait que là, je leur en ai dit tellement, là, des bêtises, là. Je leur en ai dit, là, pour me défouler, là, qu'ils étaient des moins que rien, puis qu'il valait mieux qu'ils soient pas nés que de faire ce qu'ils faisaient. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens... Beaucoup de soldats qui se sont enlevés la vie, hein. On a ça beaucoup après, ils prenaient des petits soldats qui faisaient le service militaire. Hein. C'était pas nécessairement les professionnels là, à qui ils faisaient faire ces tâches-là. Là. Et ils ont torturé des prêtres. Là. Ils sont morts sous la torture. Les Espagnols, là, tous ceux qui étaient engagés avec Allende, là, avec le programme d'unité populaire, qui travaillaient dans les quartiers populaires, on était tous des communistes. Pour eux autres, là, on était tous des communistes. Donc, puis ils me l'ont dit, c'était une espionne de Cuba. Hey, une espionne de Cuba. Puis que j'étais à l'université, mais de toute façon, ça, c'est un front. Tu sais, c'était... Ah. L'ambassadeur, il était pour le coup d'État, hein. Lui, là, on lui a fait sauter la tête, là, on l'a changé, là. Il était pour le coup d'État. Donc, on ne pouvait pas compter sur lui, mais le vice-consul, ça lui a sauvé du monde pas mal, lui. Il a laissé rentrer du monde à l'ambassade. Lui, là, il est venu tout de suite rejoindre Alfredo, la famille où je demeurais. Puis là, ils sont partis à San Miguel, à la caserne militaire. Ils sont arrivés là à 6 heures le matin. Puis on dit, on n'a jamais vu une Canadienne qui s'appelle Clotilde Bertrand. Et il m'avait... J'étais déjà parti au centre de torture. J'étais là. Mais ils ont nié. Fait qu'eux autres, ils étaient dans tous les États. Mais là, le consul a fait des menaces. Il a dit, s'il arrive quelque chose sur une Canadienne, elle n'est pas ici illégalement, elle a son passeport, elle a son permis pour être ici, puis vous aurez des conséquences de ce geste-là. Puis c'est ça qui m'a sauvé. Quand ils m'ont lâché, là, il fallait que je me rende chez moi en plein couvre-feu. Les chiens qui jappent, les jeeps qui partent, il y a quelqu'un qui passe, on le tire.
C'est sûr qu'eux autres, là, avec la menace qu'ils avaient eue, si j'étais tirée dans la rue, comme ils espéraient sûrement me voir, ben c'est pas eux autres. Non. Et qu'est-ce qu'elle faisait là, dans la rue, là? Prendre une photo, donne ça à l'ambassade. Alors, eux autres, ils se lavent les mains. Politiquement, ils se lavent les mains. Alors, je me cachais d'une maison à l'autre pour me rendre là jusque chez moi, mais j'étais en danger d'être tué plus là. Bien là, je suis arrivé à la maison, puis j'ai eu 48 heures pour sortir. Là, tu t'en vas à l'ambassade, tu vas chercher tes papiers, puis tu prends l'avion, puis tu t'en viens. Moi, je suis abouti à Montréal, là. 48 heures, j'avais. Puis c'est sûr qui m'avaient à l'œil, parce que si à 48 heures, je prenais pas l'avion. D'ailleurs, quand je suis arrivé à l'aéroport, ils m'avaient tellement sur la liste que j'ai été mis dans une salle à part. Puis là, c'est un gardien qui est venu me conduire jusque dans l'avion. Là, je savais que j'étais par miracle que j'étais sauvée. J'étais en vie. J'étais en vie. Puis je pensais que j'allais être mourir. Moi, je pensais vraiment que j'allais mourir. Moi, là, j'ai dit, bon, tous les jours, on se prépare pour qu'on va mourir un jour. Bon, moi, la mort, c'est la mort. Tu sais, la mort, c'est la vie. Mais c'est une autre vie. Fait que, c'était là, ce moment-là, ou c'est pas là? Bien, c'est pas là. Thank you.